everybody, welcome to C'est fou, c'est fun. Bonsoir à tous, bienvenue sur votre programme de divertissement désormais culte, hein. C'est fou, c'est fun sur La Belle TV. Oui, je suis en perfecto en cuir, voilà. Est-ce que je peux dire le nom du styliste qui m'a prêté mon perfecto de ce soir? Oui, non, en tout cas on en parle tout à l'heure. Bienvenue donc sur votre programme de divertissement disponible sur La Belle TV ainsi que sur La Belle Radio 91 FM depuis Libreville au Gabon. Alors, comme disait mon grand-père, c'est vendredi anglais. Qu'est-ce que vous en faites? Dites-nous tout, appelez-nous. Vous connaissez désormais, hein, les numéros de téléphone qui vont s'afficher au fur et à mesure de l'émission. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée et que la soirée, c'est pareil. Dans tous les cas, asseyez-vous confortablement. C'est fou, c'est fun, s'occupe de tout. Nous terminons la semaine avec le pays qui nous accueille là. Sao Tomé, voilà, j'aime faire Miss Météo, voilà, du rouge, du vert, du jaune et les deux étoiles noires qui représentent ces deux îles que compose la République de Sao Tomé. Nous y sommes, on a fait un voyage merveilleux, magnifique, on a vu plein de choses, hein, du côté du tourisme, etc., etc. On a visité, on a pu manger de la kaloula, voilà, j'y suis, de la kaloula. C'est une recette faite à base de feuilles de patates, voilà. En tout cas, ça dépend des zones où on se trouve. On pouvait même remplacer ces feuilles de patates avec simplement des feuilles d'épinards. Les numéros pour nous joindre, pour réagir en direct à ce que vous voyez ou souhaiter les vœux de bonne année pour cette année 2018, 01 45 38 34 ou alors envoyez-nous vos messages, je vous en prie, vos messages par le biais de l'application WhatsApp sur le 02 47 17 62. Bienvenue sur C'est fou, c'est fun. On démarre avec cette émission en dansant un tout petit peu et on se retrouve tout juste après. Bonsoir à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur C'est fou, c'est fun. Bienvenue. Nous terminons donc cette semaine avec notre voyage en Sao Tomé. Et là, tout de suite, nous allons vous présenter des raisons d'y aller. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le voyage. Si vous n'avez pas pu le voir durant la semaine, hein, tout ce que nous avons proposé sur le pays qui nous accueille, donc la République de Sao Tomé, voici un élément qui pourrait vous emmener à faire le voyage. Un voyage sur les îles de Sao Tomé et Principe est exceptionnel par bien des aspects. Voici donc quatre raisons d'aller au pays du chocolat. 1. La première raison, c'est que Sao Tomé et Principe vulgarise le concept de l'écotourisme en valorisant son patrimoine environnemental d'exception en préservant sa nature avec des modèles économiques tels que le parc national Obo. La deuxième raison, la nature. Elle a été bien généreuse avec ces deux îles. Un sol fertile d'origine volcanique, un climat équatorial, de nombreuses espèces d'oiseaux, des myriades d'orchidées et d'autres plantes, des plages qui renferment des trésors à découvrir tels que les tortulutes ou encore les espadons voiliers. En 3, sa culture. Riche et insoupçonnée à travers le théâtre, la musique, l'art plastique et la danse, vous pourrez avoir un aperçu de l'histoire de Sao Tomé et Principe en visitant notamment le musée national installé dans l'ancien fort São Sebastião, construit en 1575. Les collections exposées mettent en lumière les origines africaines et portugaises de la culture locale. Quatrième raison d'y aller pour sa cuisine. La gastronomie sao-toméenne est teintée de ses différentes influences capverdiennes, angolaises, brésiliennes, portugaises. Elle est adaptée à la diversité des fruits et légumes, épices et surtout poissons des îles.
est-ce que vous avez apprécié? J'espère que bien, hein, que vous avez eu le temps de regarder encore une fois cet élément hein, qui nous présentait la généralité un tout petit peu, sinon qui vous donnait des raisons d'aller du côté de Sao Tomé. La Sao Tomé, c'est donc ces deux petites îles, parce qu'on dit Sao Tomé et Principe. C'est donc ces deux îles qui sont situées en Afrique, hein, et ce sont ces deux îles que compose donc le pays, la République de Sao Tomé et Principe. Parce qu'on dit la République de Sao Tomé et Principe. Voilà. Si vous avez une expérience du côté de Sao Tomé, vous avez vécu quelque chose d'assez particulier, appelez-nous au 01 45 38 34 pour nous parler de tout ça. Vous avez un compagnon, vous avez des amis peut-être Sao Toméens. Hein? Moi, je vous ai dit la semaine dernière, pour ma part, hein, j'ai adoré la cuisine capverdienne parce qu'une fois, lorsque j'ai été invitée dans une famille Sao Toméenne, ils m'ont cuisiné ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la sauce graine ou encore au Gabon le niamboué. On a un téléspectateur qui souhaite réagir peut-être. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue sur C'est fou, c'est fun. Il est là? Il est parti? Non? Oui? Ok. On va continuer donc l'émission. Vous pouvez toujours réagir en direct. Vous êtes sur C'est fou, c'est fun et on va démarrer, enfin pas démarrer puisqu'on a déjà démarré. Nous allons encore un tout petit peu danser au rythme de l'Afrique. On vous propose un élément de la part de DJ Lai. Bon, l'élément qui va suivre. Est-ce que je peux avoir une musique pour accueillir mes invités? Parce que ce sont des invités de prestige. Ouais. Salut les filles. Salut les filles. La bise quand même. Hein. On reste quand même polis sur C'est fou, c'est fun. Voilà, DJ Lai, maintenant tu peux envoyer la musique là. Je vais déchirer devant ces gos là. Voilà, on va déchirer tout ensemble. En tout cas, si tu as quelque chose à nous proposer pour ce vendredi. Oui, bonsoir les filles. Salut. Alors, la matinale est en plein sur C'est fou, c'est fun. Oui, bien sûr. On lui a apporté un peu de... Lai, DJ Lai. Merci. Bienvenue les filles sur C'est fou, c'est fun. Check. Check. Alors, on vous entend tous les matins à la radio, à partir de 7h à la radio, heure de Libreville. Hein. Bien sûr. À la radio et on vous regarde à la télé. On a des téléspectateurs, je sens que ça va être très chaud ce soir. Bonsoir et bienvenue sur C'est fou, c'est fun. On a un téléspectateur en ligne. Il est parti. Et arrêtez de biper. Vous avez trois gos là, hein. Vous savez que le vendredi, parce que le vendredi, c'est assez spécial. D'accord. On termine avec le pays qu'on visite. Mm-hmm. On invite un invité, Label, hein, Label TV, donc en l'occurrence, vous aujourd'hui, la matinale. Et puis, on fait ce qu'on veut. On chante, on danse, on fait ce qu'on veut. Pour, voilà. Donc, on est en Sao Tomé aujourd'hui. Oui. Allô? Allô, bonsoir. On a un auditeur. Les gars, arrêtez de biper. Oh, arrêtez de biper. Vous avez toutes les catégories, comme disent les Ivoiriens. Hein? Tu n'as pas remarqué qu'on est en vendredi boubou aujourd'hui. Voilà, vous êtes en vendredi. J'ai plus d'unité. Free mobile là. Fais vite. Allô? J'ai un signal. Allô? Allô. Voilà, lui, soit il n'avait plus d'unité, soit il y avait un problème de réseau et voilà, tout ça. Parfait. Alors, est-ce que ça vous arrive sur la matinale d'avoir des trucs comme ça, des trucs assez loufoques? Parce que tout à l'heure, je regardais Stéphane Là, qui partait lâché, en... Là.
Dans tous les sens. Dans tous les sens. Mmh. Alors, on peut parler du rendez-vous de la matinale. Je sais que les filles, oui, vous êtes un tous peu... Tous les jours, hein. Vas-y Mireille, tous les oui, jours. Tous les jours, du lundi au vendredi, voilà. 7h, 9h. Mmh. D'accord. Et, voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve à la matinale? Alors, on est une bande de... On s'appelle les soldats de la matinale. Hein. On est cinq hein, sur le plateau. Mmh. Je crois que les téléspectateurs connaissent déjà un peu chacun. Donc, on a Stéphane, voilà. Sabrina, Axel, Mireille, Axel et Georgina, qui est très aimée par les téléspectateurs de C'est fou, c'est fun. À un moment donné, même, je suis jalouse parce qu'ils appellent, ils disent « On veut voir Georgina ». Je dis « Mais vous n'êtes pas à la matinale, là. Vous êtes trompée d'heure. » Et il attention est avec Georgina. Oui. Elle a un dinosaure, elle a un dragon qui crache le feu. Ok. Ben ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer? Ben, elle a chez elle un dinosaure, un dragon qui crache le feu. Et pour la petite histoire, en fait, ce dragon, il ne m'aime pas. D'accord. Donc, voilà, faites attention avec Jean-Jules. Dans tous les cas, c'est pour dire qu'il y a une ambiance de dingue également. La même, peut-être pas la même que sur C'est fou, c'est fun, parce que ici c'est le délire complet. Donc on a également une autre ambiance, hein, ouais. Différente, mais également on met plein de joie, on donne du bonheur aux gens chaque matin. On essaie de réveiller tous ceux qui sont encore un peu gorgis dans leur lit ou devant leur télévision avec les châssis là, qui nous regardent. C'est qui ces gens? Vous apportez du bonheur, en plus de ça, l'info. Oui, bien sûr, on voyage, l'information surtout. On a de la cuisine, oui. On voyage sur le plan culinaire, voyage culinaire, voyage musical, voyage humoristique, mais tout ça toujours à travers l'Afrique ou sa diaspora. On a également l'une de nos rubriques, très intéressante, le saviez-vous. On fait tous les jours découvrir aux téléspectateurs quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être qu'ils connaissaient déjà, mais qu'on apporte un peu plus d'informations ou on donne une source plus fiable. On a un téléspectateur ou un auditeur qui souhaite dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jackie. Bienvenue sur C'est fou, c'est fun. Ouais, c'est Monsieur Zoumana Dunkara, c'est 40. Je parle à qui là? Oui, monsieur Zoumana Dunkara, PK11. Monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Regardez qui j'ai emmené pour vous. Moi, je vois l'équipe matinale là. Voilà, elles sont là, vous pouvez discuter maintenant avec elles parce que vous m'avez appelé, beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire la matinale, elles sont là, Mireille et Sabrina. Alors, un bonsoir peut-être? Non, j'ai dit bonsoir à toute l'équipe du matinal, Mireille et sa copine, sans oublier Stéphane, sans oublier Georgina. Bonsoir et merci de regarder les programmes de la belle télévision. Hein. Merci, on vous invite à aller regarder davantage, on a plein de surprises pour vous lundi encore. Hein. Oui, mais Jackie ne connaît pas les dinosaures de Georgina, mais moi je connais son dinosaure. Ah. Vas-y, raconte-nous tout ça. Ah, mais c'est Stéphane qui est son dinosaure. Voilà. Ah oui, c'est vraiment la baignée de la matinale. Justement, je suis aussi la matinale. Je suis quand même un fan de votre télévision. Ben merci, hein, c'est pour vous qu'on le fait chaque matin. Justement. Et on a reçu une invitation de la part du monsieur. Hein. On a notre poulet frite qui nous attend. Il est parti, oui, c'est un fidèle téléspectateur de la Belle TV, il regarde presque tous les programmes, et lui, il a un restaurant au PK11, et il a promis d'inviter tous les gourmands de C'est fou, c'est fun, pour la manger. La matinale aussi. Non, même pas. Non. On n'est pas, nous sommes non, pas... Non, vous plombez déjà la matinée, n'allez pas... Un clip, s'il vous plaît. L'inspecteur, j'ai besoin de mon inspecteur. Merci, j'ai une surprise pour vous. J'ai, oui, vous savez, moi, est-ce qu'on vous a dit un truc? Parce que moi, c'est vrai, vous me voyez, je suis Jackie, présentatrice de C'est fou, c'est fun. Mais je suis la secrétaire d'Angélique Kidjo. La secrétaire d'Angélique Kidjo, la chanteuse. Je comprends pas en fait. De quoi elle parle, Angélique Kidjo, la secrétaire? Oui, Angélique Kidjo, elle est connue internationalement et tout bien ça. Sûr, voilà. Hein? Donc, en face d'elle, tu vois, là, elle a une assistante. Oui. Et l'assistante d'Angélique Kidjo, c'est pas n'importe qui.
Oui. Et donc, je peux faire ce que je veux, là où je vais, quand je dis, moi, je suis la secrétaire d'Angélique Kidjo, les gens se calment. Elles n'ont rien compris. Nom de Dieu, je veux mon inspecteur à cause de ça. Ah, parce qu'on a mis le feu. Voilà. Yes, ben ouais, non, c'est une surprise. C'est une surprise. Il faut, non, Mireille, oui. Il ne faut pas poser des questions quand tu es sur C'est fou, c'est vrai. Ah, d'accord. Oui, tu subis. Je subis. Voilà. D'accord. Comme les femmes au foyer africaines. Big up, les filles. On est, vous êtes dans le truc. Continuez la bataille. D'accord. Un jour, ça ira. Ça ira. Voilà. Alors, donc, on continue hein, avec la matinale. Les de la matinale. Hein, l'hygiène de vie. L'hygiène on donne vie. Comme ça des conseils, des astuces, surtout hein, sur les gestes à ne pas faire. Aujourd'hui, on a parlé notamment de l'horloge biologique. Alors, est-ce que toi, tu prends le temps de régler ton horloge biologique, toi ? Non. Il est, c'est-à-dire et, dormir aux heures qu'il faut, se réveiller aux heures qu'il faut, pour ne pas avoir cette tête, cette mine un peu fatiguée. Non, moi, je... Moi, non. Tu es fun, quoi. Moi, je suis fun, je suis... Je vis, alors, normalement, dans une journée, hein, aux dernières nouvelles, c'est 24 heures. Oui. Mais moi, 20 heures, je suis survoltée. Ah. 20 heures de temps, je dors 4 heures. Bah. Et je fais, je fais, vous savez pas, moi je dors en réunion. Oui. Hmm? Oui. Je fais la pause. On a un téléspectateur en ligne, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur C'est fou, c'est fun. C'est Farida. Farida, bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien. Alors, nous sommes en compagnie. Julie, pourquoi? Qui ça? Julie. Pause. Elle va arriver. Elle S'il te plaît, ne pars pas. Elle viendra bientôt. Tu veux saluer la famille? Ah oui. Tu veux saluer la famille? Non, hier, je l'ai déjà saluée, donc. D'accord. Alors, Et nous? Est-ce que tu veux saluer les deux drôles de dames qui sont là ce soir? Oui, je les salue, les deux là, je les salue. Salut, Farida. Bonsoir. Donc, si tu connais pas, tu connais l'émission La Matinale? Oui, je la connais. C'est voilà. Pas grave. C'est quand même tout à Farida. En tout cas, on te souhaite bien le bonsoir chez toi. Tu es avec ta famille, tu regardes la télé? Oui, bonsoir, Alain. D'accord. Bonsoir, Julie arrive tout à l'heure. Okay. Julie arrive tout à l'heure. Bon, les filles. Hé, hey, Julie, viens avec l'inspecteur, s'il te plaît. Non, merci. Alors, justement, hein, on est en train de terminer hein, avec nos invités. On va vous raccompagner avec un son. Alors, est-ce que vous avez un son particulier? Mireille, d'abord, sur quoi tu aimes danser, toi? Quelque chose de cadencé. D'accord. Tu es plutôt une dombolo ou tu es plutôt... Rumba, une bonne rumba bien cadencée. Laquelle, par exemple? Peut-être un peu de Kofi, si il peut nous trouver ça. Kofi, quel... Abracadabra. Abracadabra? Oui. Tu connais le truc d'Abracadabra ou pas? Oui. Allez, vas-y. Abracadabra, vas-y, danse. Abracadabra. Et toi? Moi, c'est plutôt tout ce qui est Côte d'Ivoire, Zouglou... Ah oui, c'est vrai, elle est championne. Oui, coupée, décalée. Championne au lycée du Zouglou. Non. Ah ben si. Attends, allez, viens. Du tout. Allez, viens, voilà. Viens. Comment une chanson du Zouglou. Ah mince. Ça, c'est une interro, ça. Attends. Comment on appelle Magic System, comment. Ils avaient une chanson, là. Ok. Ouh là là. Mon Dieu, c'est une colle. Enfin, bref. Ça dit quoi? Non, elle peut chanter. Vas-y. Oh, c'est une vieille chanson. Vas-y. Wow. Je crois qu'on chante si au pain. Bon, il m'a dit si au adé, si au pain. Pain, pain. Aussi bon, si au adé. Ta, 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 ta. Mais qui m'appelait? Les téléspectateurs, tu as des fans. Là. Il y a les fans qui ont commencé à appeler pour dire, mais c'est vrai, Jackie, tu as des invités. Mais nous, on veut notre Julie. Notre Julie nationale. Et alors, tes fêtes, comment elles se sont déroulées en parlant de ça? Ah, ça s'est bien passé, mais j'ai eu une surprise, Jackie, je ne te dis pas. Ouais, vas-y, raconte. Je te dis sur mon lit, tu vois, quand on donne les cadeaux aux enfants,
Son père arrive avec le cadeau pour Stéphane. D'accord. Je sais que c'est le cadeau de Stéphane. D'accord. Il dépose pour Stéphane. Mm-hmm. Stéphane dormait. À ma bonne surprise, je me rends compte qu'il me tend un cadeau. Je dis, ah, c'est quel cadeau encore? Est-ce que je suis un bébé? Mm-hmm. Tu es un bébé pour moi? Quand j'ouvre le cadeau, Jackie, aïe, 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 aïe. C'était quoi? De ces lunettes, de ces choses bizarres. C'est vrai que tu m'as montré ça. Des choses bizarres, je te jure. Jackie, je t'ai montré ça, non? Après, je viens te montrer que Jackie regarde un peu. C'est vrai. Que genre de cadeau qu'on peut me donner. Et c'était, et on en a discuté, ce sont, c'est ce qui va faire hein, l'objet de notre débat de ce soir. Non, je t'ai dépassé, ce sont les réalités virtuelles. C'est, donc, Julie, en fait, elle a reçu un casque de réalité virtuelle. Ça l'a épaté. J'ai porté ça, je me suis retrouvée dans un autre monde. Je me suis retrouvée, c'était comme si j'étais dans la sorcellerie, dans un autre monde, dans les crimes. Bref. Elle partait. Bref, on a un auditeur ou un téléspectateur qui veut certainement nous dire bonsoir. Allô? Oui, c'est Singleton l'appareil. Hi, est-ce qu'on peut te faire un bisou à deux? Bisous, Singleton. Oh, Jackie. Oui. C'est bizarre comme par hasard. Tu me donnes soit les bijoux, on n'a jamais vu la personne qu'on voit. Qu'est-ce que tu as dit? L'homme parle une fois, pas deux fois. Pardon, Singleton. Continuons alors. Bonsoir, comment vas-tu? Je me prends comme un poisson dans l'eau. Et comment elle va, ma chérie? Oh non, il y a des... comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Raconte-moi. Non, c'est vachement. Pourquoi? C'est parce que le lit est bien arrangé. Alors, le lit était mal arrangé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as encore fait une bêtise? Non, c'est à quoi le toit? Oh là là. Bon. En tout cas, ce soir, je suis avec Julie. Julie? Oui, Julie, ma coprésentatrice du vendredi. Quelle Julie? Julie, alors, je vais te présenter Julie. Julie, c'est Julie Labelle. C'est mon invitée de ce soir. On ne se voit pas, on ne se voit pas. Mais je te la présente parce que je sais que tu m'écoutes. Elle va te dire bonsoir. Julie, est-ce que tu peux dire bonsoir? Julie, est-ce que tu peux dire bonsoir à Singleton? Bonsoir, Singleton, comment tu vas? Oh, je me porte comme un poisson dans l'eau, par la grâce de Dieu. Toujours. Ah, ça? Alors, Julie est là et on est en train de discuter, en fait, des casques de réalité virtuelle. Tu sais, ces nouvelles lunettes qu'on porte? Je le comprends pas très bien. Attends, je me reproche un peu de réponse. D'accord. On parle en fait des cadeaux de Noël qu'on a reçus. Est-ce que toi, tu as reçu un cadeau de Noël particulier l'année dernière? Non, mais je suis pas un enfant pour voir les cadeaux. Mais écoute, elle vient de me dire ici que son chéri lui a offert un cadeau. Vous dites? Elle est venue me dire que son chéri lui a offert un cadeau. Non, j'ai jamais reçu aucun cadeau. Non, c'est pas toi. Enfin, bref. Singleton, est-ce que tu as enfin offert un cadeau à ta chérie? À qui? Ta chérie. Ma chérie, c'est moi-même. Singleton, tu ne lui as pas toujours offert un cadeau? Non, mais j'ai dit. Oui. Voilà, la tanga vient faire tomber. Elle est noire, la tanga. C'est comme tu te ressembles. Tu vois pas que ce que tu dis là, c'est une vérité. Je t'ai jamais vu, mais la tanga tombe. D'accord. Qu'est-ce que je dois comprendre par là, Singleton? Vous dites? Qu'est-ce que je dois comprendre quand tu dis la tanga est tombée? Parce que noir la tanga. C'est-à-dire qu'on a une fille qui ne fait pas le maquillage au Kwanza. D'accord. Naturel. Ok. Mais pas les pour nous, hein. Pourquoi? Parce que les pounous, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs à Tanga? Non, le teint d'ébène. D'accord. Toi, tu aimes les femmes au teint d'ébène? Ouais. Et tu espères que nous sommes des femmes noires au teint d'ébène, c'est ça? Comme par hasard, mais Jackie. Oui. Jackie. Oui. Oui. J'ai dit ceci. Je t'écoute. Oui. J'ai dit ceci. Pourquoi toi, hein? Oui. Faut pas remplacer. Je te dis que non, tu me rappelles.
Denise Boukandou et Elise. D'accord. Et c'est qui tu as connu, non? Denise Boukandou et puis. Fanny. Elise, pas comment. Fanny et Laza. Voilà. Et je me suis documentée, ce sont des présentatrices qui ont des icônes, en tout cas de la radio et de voilà la télé gabonaise. Que tu sois aussi jeune Afrique. Et tu. C'est une radio panafricaine. Voilà. C'est mon souhait. Merci, singleton. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Il faut que tu vives ce jour avec nous. Il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour. Je t'en prie, j'écoute. Mary Kaela. Tiens, parle avec elle. Bonsoir, moi, Jackie. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Birita. Comment? Birita, je suis au Bamba, je suis de Réponi. D'accord. Ok. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, ils sont à la maison. Ils sont à la maison avec la famille. D'accord. Tu souhaites saluer de la famille? Merci. Est-ce que tu souhaites saluer la famille? Je fais ma famille au nom de chérie, ma chérie, au nom de. Comment on appelle même au nom de ma femme là? J'ai oublié encore même là. Nelly. Nelly? Oui. Nelly est où en ce moment? Elle est là à côté de moi, elle a un téléphone de Niemoué. Donc tu oublies le nom de ta femme? Non, non, c'est Nelly. C'est Nelly. Ok. Parce que là, on dirait, attention, elle va te gifler, hein? Non, ça va, ça va. Ok. On embrasse aussi Nelly alors. Je passe Nelly. Oui. Mon Dieu. Direction générale. Alors, pause, hein? Avant de continuer sur C'est fou, c'est fun, la direction générale voilà, de la Belle TV doit à Singleton une carte de crédit. En tout cas, un gros cadeau de Noël. Je ne vais pas dire ce qu'il y a dedans, mais on a promis aller voir Singleton et sa famille chez lui. On va en faire une émission spéciale. C'est fou, c'est fun et je sais que tu seras avec nous. Vraiment, bonsoir encore à la famille de Singleton et tous ceux qui nous regardent du côté d'Angonje. On a un téléspectateur en ligne? Oui, non, on continue. Alors, on parlait des réalités virtuelles. C'est donc le cadeau que Julie a reçu et on va le regarder. On va essayer hein, de partager justement tes sensations avec nos téléspectateurs en regardant l'élément qui suit. Un casque virtuel est un appareil à poser sur la tête permettant de vivre des expériences vidéoludiques 3D en réalité virtuelle. Cette dernière est une technologie qui plonge l'utilisateur au cœur même de l'expérience. Les émotions éprouvées avec cette immersion se retrouvent plus présentes et plus fortes grâce à la réalité virtuelle. Donc, on regardait ensemble hein, ce que voulait dire en fait tout ce qu'on appelle réalité virtuelle. Là, en fait, on avait un casque, celui que tu as reçu en cadeau par ton chéri. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce casque? C'est pas un casque à conseiller aux gens. Hein. C'est pourquoi? Pas un casque, non, c'est pas bien. Pourquoi tu dis ça? C'est comme si j'étais en train de faire le vampire. C'est comme si je suis. Comme si tu sortais en vampire? Comme si je sortais en vampire. Mais non, mais un casque virtuel sert à beaucoup de choses. Mais... Déjà, les jeux vidéo. Non, c'est ça, c'était pas les jeux vidéo, Jackie. Oui. Non, j'étais. À un moment donné, quand j'ai mis, du coup, il y avait du noir. Mm-hmm. Après le noir, un peu de fleurs, un peu de rose, un peu. Il y avait trop de couleurs. Ah, Jackie, j'étais perdue. J'ai enlevé sa maison, on commençait à faire aussi pareil. Non, mais j'étais dérangée. T'es sorti. Tu croyais que tu sortais en vampire? Je sortais en comme là, par exemple. Voilà, tu as vu? Tu as vu, ça change. Tu as vu, Jackie? Ouais, et t'as pris peur. J'ai eu peur. Mais tu sais, avec les casques virtuels, aujourd'hui, on peut faire tellement de choses. Non, 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 ça on sert... ne va pas mener ça ici en Afrique. Ici, chez nous, on est africains, on connaît nos histoires de boutis, on danse traditionnellement, on a nos boutis, nos choses, nos danses donc toi, traditionnelles. Toi, tu préfères sortir... Nos choses traditionnelles, on n'a pas besoin que l'homme blanc vienne nous montrer leur sonnerie aussi. On n'a pas besoin de ça ici. Mais regarde, Julie. Non. Écoute. Les casques de réalité virtuelle peuvent, par exemple, demain t'emmener à visiter un pays comme le fait C'est fou, c'est fun avec ça, c'est faux, ça, c'est faux. Ça, c'est comme si j'étais dans un rêve. D'accord. Ça, c'est un rêve. Mais au moins, tu auras l'impression d'être
au Sénégal, au Gabon et tout ça, mais éveillée. Jackie, ma tête est là pour réfléchir. Quand j'imagine avec ma tête, j'essaie déjà de me retrouver au Sénégal. Voilà. J'essaie déjà de me retrouver au Cameroun. J'essaie déjà de me retrouver en France. Voilà. Ça t'enlève le plaisir en fait de voyager, c'est ça? J'ai pas besoin de ça. C'est la sorcellerie, Jackie. D'accord. Donc, j'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-nous un peu tout ça. Est-ce que vous connaissez les casques de réalité virtuelle en vente un peu partout hein, en ce moment? Julie a reçu ce cadeau. Il ne faut pas donner ça aux enfants. Hein. Oui, c'est vrai qu'après, pour les enfants, c'est un peu complexe. Non, c'est trop fort pour les enfants. Mais quand même, je vais te dire, Julie, laisse-moi juste terminer un tout petit peu. Je sais ce que tu en penses déjà. Mais un casque virtuel sert aujourd'hui à faire beaucoup de choses. À voyager, par exemple, de manière virtuelle. Ça, c'est la première chose. Tu as contesté. OK. Il y a la possibilité de jouer des jeux vidéo aujourd'hui sur les casques de réalité. Oui, deux, trois. Vas-y, Jackie. On peut faire tellement de choses avec. On peut aller sous la mer, sous les fonds marins, j'allais dire. On peut aussi aller dans les fonds marins, aller visiter, aller voir des requins, De sous la mer. Oui, avec un casque virtuel. Voilà, c'est-à-dire que virtuellement, ça ne veut pas dire que tu y es, mais virtuellement, tu peux te déplacer. Donc tu veux me dire que mon chéri m'a amené ça pour que j'aille sous la mer ou quoi? Non, mais... Ou bien pour aller visiter les autres. La sorcellerie, Jackie. Je ne t'accepte pas. OK. On arrête tout de suite le sujet. Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone juste pour dire aux téléspectateurs qu'il est possible qu'ils puissent réagir? Voilà. Peut-être qu'ils ont quelque chose à dire à ce sujet. Et on va rire. On va rire un tout petit peu. Je passe le temps à rire. OK. Rions un tout petit peu sur C'est fou, c'est fun. On adore. Vas-y, éclate de rire. Lâche-toi. Jackie. T'es pas la seule, hein, on dirait. Tu trouves que j'avais raison. J'avais tout à fait raison, Jackie. Tu as vu ça? J'avais raison. Ah, c'est un casque qui tu te sentis un vampire. Il t'emmène? Les gars, les pauvres. Il t'emmène un vampire, tu te rends pas compte. Tu es en train de faire la sorcellerie sans te rendre compte. C'est comme si tu étais... Allô? On a un téléspectateur en ligne qui veut peut-être réagir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur C'est fou, c'est fun. C'est comme si tu étais... Allô? On a un téléspectateur... Bienvenue sur C'est fou, c'est fun. Comment on t'appelle? Bonsoir. Est-ce que tu peux diminuer ton poste?
Est-ce que tu peux diminuer ta télévision pour qu'on puisse bien s'entendre? Oui, c'est moi, je vais saluer Julie. Oh là là. Merci, voilà, hein. C'est Farida, voilà. Non? Oui. Farida, voilà, Julie est devant toi. Oh. Vous pouvez discuter. Allez, dis bonsoir Farida, à ton bonsoir, fan. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, Julie, et toi, tu vas bien? Ça va très bien, et les fêtes, tu as bien passé les fêtes? Oui. Et la nouvelle année annonce bien pour toi? Oui, pour toi aussi. Ok, très bien. Et la famille? Ils vont bien, 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 très bien. Ok, merci beaucoup, Farida. Voilà, hein, Farida, tu t'es fait plaisir. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter, ma chérie? rien du tout, rien. Ah, comment rien, Farida? Il faut écouter quelque chose. Vas-y, vive, on veut te faire plaisir. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter? Ah, musique. Comment? Comment? La musique. De la musique. Musique. Elle veut tout simplement écouter de la musique. De la musique, c'est merci, bien. Merci, merci beaucoup, Farida, qui nous regarde depuis Libreville au Gabon. Juste un moment, je souhaite saluer des fans. Hein. On a un autre téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bienvenue sur C'est fou, c'est fun. Je te présente une personne. Singleton, oui, qui? Non, laisse-moi mon nom. Je le laisse, Singleton. Allô, Maya. Allô, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est monsieur l'éclair. C'est monsieur comment? L'éclair, le tonnerre. L'éclair? Ouais. Bonsoir, monsieur l'éclair. Alors, est-ce oui. que ça tombe bien? Ça boum ce soir? Ben, apparemment, il se fait que ça ne va pas plus que madame. C'est madame Jackie? Oui, pas madame, ouais. C'est Jackie. C'est Jackie et Julie. Jackie et Julie. Oui. J'ai envie de vous épouser là. Ah oui? Oui. Non, t'es sûr? L'hélicoptère. Tu veux m'offrir un hélicoptère? Oui, le cortège en bas. Non, c'est pas possible. Écoute, si tu m'offres un hélicoptère, franchement, je sais plus ce que je fais ici. Julie, tiens, les commandes de l'émission. Ok, d'accord. Moi, je m'en vais. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Tonnerre, éclair. Oui, oui. Voilà, tonnerre, éclair. Moi, je deviens madame tonnerre, éclair. Okay. Mon chéri, je t'attends. Où est-ce que tu es? Je suis chez les Bakota, là, à Kanda. Tu es chez les Bakota, à Kanda? Oui. Et quand je prends le taxi, qu'est-ce que je demande? Comment je demande? Chez Amissa, chez Chantal Amissa. Chez Amissa, donc le quartier Amissa, à Ngondje. Il y a une ruelle là, tout droit là, juste chez Chantal, il y a une ruelle longue tournée. Est-ce que je vais à gauche ou bien je vais à droite? Ben apparemment, c'est quand le clando te laisse, bien l'hélicoptère, tu descends, c'est ligne droite. Net, quand je descends, ouf, c'est ligne droite. Il y a un tapis rouge pour vous là. Il y a un tapis rouge. Il y a un tapis rouge. Ah, oui, oui. D'accord. Merci mon chéri éclair. Non, là je fais la jalousie, c'est Singleton l'appareil. Non, attends Singleton, attends. Tu vois, t'as un gars. Attends, vous me faites pleurer, hein, parce qu'il vous fait pleurer là. Jacques, vous, hein. Non, Singleton. Oui. Ton frère, tonnerre, il veut m'offrir un hélicoptère. Oui, y a pas match, c'est hein. Mon frère. Y a pas match. Donc c'est parce que je suis désolé comme c'est là sans unité. Mon chéri, j'arrive, on va régler ça ensemble. Je refuse. Pourquoi tu refuses, Singleton? Non, je préfère que tu sois avec tonnerre. Comme tu as entendu tonnerre, ce qui te fait peur. Mais non. Écoute, il y a une fille qui va te dire bonjour. D'accord. On est là, on est sur C'est fou, c'est fun. On est avec nos fans, ils veulent discuter avec nous. Bonjour. Bonsoir, comment on t'appelle ma chérie? Je m'appelle Guylaine. Guylaine, tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? 5 ans. Tu as eu quoi comme cadeau de Noël? Direction générale, il faut acheter du crédit à Singleton, hein, parce que là, c'est une question de crédit maintenant. C'est vrai. Hein?
Alors, Julie, tu as vu hein, toute la famille. De sangleton. J'ai un époux qui m'attend. Ah ça, on donc, ensemble. On va pas aller ensemble. Moi, je m'en vais en bouée. Comme d'habitude en bouée. Alors, le spectacle de ce soir, pareil, en bouée. Tu invites les téléspectateurs à venir te rejoindre. Oui, les gens qui sont libres, qui peuvent venir me... Comment ça se passe en bouée? Donc, tu fais des prestations artistiques. Je fais des prestations aspétiques. Je chante même en langue. Ouais, tu chantes en langue, tu fais de l'imitation star, tu imites précisément surtout Lady Ponce. Mesdames et messieurs, si vous avez un concert, vous avez un spectacle ou une soirée et vous souhaitez inviter Julie, elle est là, elle est vraiment présente. Si vous souhaitez avoir une ambiance folle au fond chez vous, Julie est là. Dans les anniversaires et ainsi de suite. Merci, merci. À la belle TV, la belle radio. Merci, merci beaucoup, Julie, d'avoir participé à notre émission. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne danse pas. Alors. On ne danse pas. Alors, on va bien sûr repréciser. Juste avant de finir l'émission, je sais, ma chérie, Julie, juste parler avec Sangloton. Je sais que lui et toute sa famille nous regardent du côté d'Angondje. On va simplement dire à Sangloton qu'une promesse et une dette. Okay. On va lui offrir un poste de télé et un décodeur de la Belle TV. Okay, voilà, d'accord. Tout simplement, on va aller chez lui, on va faire une émission spéciale. Mm-hmm. Il faut récompenser nos fans. Oui, La Belle TV, précisément, sur C'est Fou, C'est Fun. Voilà, c'est terminé. On va prendre un dernier auditeur qui nous écoute ou qui nous regarde du côté de la Belle TV. Bonsoir, bienvenue sur C'est Fou, C'est Fun. Allô? Allô, Jackie. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien. À qui ai-je l'honneur? Mon nom, c'est Justin. Madame? Je ne suis pas madame, je suis monsieur. Pardon. Monsieur Justin? Je suis un homme. Monsieur? Monsieur Justin? Justin Agbo, depuis Ghana. Ah oui, comment allez-vous? Je suis désolée, hein, je ne vous entendais pas très bien. Comment allez-vous? Nous allons très très bien. Alors la famille, qu'est-ce que vous faites le vendredi? Qu'est-ce que vous faites ce vendredi? Qu'est-ce que... Attention, hein, il faut vous éloigner de votre poste de téléviseur. Qu'est-ce que vous faites vendredi? What do you do tonight? Pourquoi tu ris quand je parle mon anglais? Toi, hein? Mais si c'est free, là, il y avait l'histoire d'unité, là. J'ai un signal. Petite minute, on va saluer tous les fans qui nous écrivent sur les réseaux sociaux, notamment, juste 30 secondes, juste 30 petites secondes pour saluer Bas Marouane qui nous regarde, qui nous ont envoyé un bonsoir. Bonsoir à toi aussi, Farida, bien sûr. Nous allons saluer Sana Ganiou, voilà, nous allons, qui nous regarde, qui regarde aussi C'est Fou, C'est Fun. Et on va saluer pour finir, juste pour finir, hein, il faut vraiment que je salue les fans. On va aussi saluer Johan. Voilà. Bonsoir, merci d'avoir regardé C'est Fou, C'est Fun. On se retrouve la semaine prochaine. Restez sur les programmes de la Belle TV. Au revoir.